Salut Bob, ça va? Ça va, ça va. On t'a bien accueilli, bien traité? Jusqu'ici, tout va bien. D'accord. Dis-moi Bob, ça te dit quelque chose? Non, absolument rien. Elle s'appelle Amélia, regarde bien. Je viens de recevoir l'info. Elle se prostitue à la gare du Nord. Elle se prostitue à la gare du Nord. Merci Mathieu. Les gars, vu qu'il n'y a pas de son, la victime a été tuée ailleurs et son corps déposé là par la suite. Ça va les gars? Vous avez quoi? Cadavre. Vous avez des photos pour moi? Ouais, je... Ouais, boss. Apparemment, la victime n'est pas partie de là sans la composition. D'accord. J'ai pas trouvé d'indice aux alentours. Il lui manque un bijou ou quelque chose? Non, elle a gardé ses bijoux. Il a les quatre. C'est certainement pas pour un vol. Et le corps est encore chaud. Ça veut dire que le suspect il vient de... La thèse du vol peut être exclue. C'est un meurtre. Boss, je crois que le suspect n'est pas très très loin, vu que le corps est encore un peu chaud. Les gars, vu qu'il n'y a pas de son, la victime a été tuée ailleurs et son corps déposé là par la suite. Des traces sur sa main indiquent qu'elle se droguait, je viens d'avoir l'info. Merci Bill. Merci. Je viens de recevoir l'info. Elle se prostitue à la gare du Nord. Elle se prostitue à la gare du Nord. Merci Mathieu. Tu peux continuer. Les gars, le corps d'une fugueuse de 16 ans vient d'être abandonné dans un champ. D'accord, merci. Je vois que toutes les victimes ont toutes un lien avec la prostitution, les gars. Qu'est-ce que vous avez? Elles ont toutes été tuées avec un pistolet de calibre 22. Les corps ont été retrouvés à moitié dévêtus dans des sacs avec des sacs plastiques sur leur tête et abandonnés dans des endroits isolés. Les gars, après tout ça, je crois qu'on a une affaire à un tueur en série. On est tous d'accord là-dessus. Mickey, l'info vient de tomber. Une amie de la dernière victime annonce qu'elle l'a vu monter dans une Ford Focus blanche. D'accord. Ça, c'était la nuit de sa disparition. D'accord. Salut Mickey. Salut. En fait, ça va? Ça va et toi? Nous avons trouvé des fils de manquette provenant probablement de la voiture de tueur. Super.
Ça, c'est une très bonne information. Ça va. Merci. Allez, à tout de suite, hein, les gars. Merci. Au revoir. Salut. Dis-moi, Magda, t'en es où avec ton logiciel? Écoute, le logiciel a permis de réduire les champs à 26 voitures. À 26 voitures de Focus. Oui, 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 de Focus Blanc. Merci, Magda. Merci, c'est super. Merci. Merci. Un bouton d'une chemise qui s'avère être celui qui manquait sur le chemisier d'une des victimes. D'accord. Bill, t'as quelque chose pour moi? L'ADN des traces de sang prélevées sur le siège avant de la voiture correspond à une des premières victimes. Super. Ben les gars, je crois qu'on l'a eu, hein. Salut Bob. Bonjour. Comment on va? Ça va, je me demande ce que je fais ici, mais ça va. J'espère qu'on t'a bien traité. Je suis ici, oui. D'accord. Ça te dit quelque chose? Non. Elle s'appelle Amélia. À 17 ans. Ça ne fait rien? Non, absolument rien. Natacha. Non plus. Regarde bien, prends la photo et regarde bien. Non. Maria. Non plus. Et ça? Non. Et cette jeune fille? Non. Et celle-là? Tu connais? Non plus, non. Non. Écoutez, moi je suis père de famille. Je n'ai rien à voir avec toutes ces femmes. Je suis avec une femme depuis très longtemps et on est très heureux. J'ai rien à voir avec ça. Regarde encore une fois. Mais j'ai pas besoin de les regarder, je ne les connais pas. La meilleure chose, tu sais très bien que maintenant ta voiture, la Ford Focus blanche, elle est entre les mains des experts maintenant. Ma voiture? Est-ce que tu avais une voiture Ford Focus blanche? Vous avez pris ma voiture sans la permission? On a eu la permission du procureur. Ok, bon. J'arrête de parler. Je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. D'accord. C'est votre droit, bon. Bill, emmenez-le d'ici, s'il vous plaît.